bonjour, je m'appelle Pierre Mécard, je suis le responsable du service kiné du CRF Passauri, où nous avons le plaisir d'utiliser depuis maintenant plusieurs années le VibraMove. Donc on l'utilise, on le partage entre les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Nous nous occupons du membre inférieur et les ergos le prennent pour les traitements du membre supérieur. Et puis nous avons des ateliers communs, kiné-ergo, pour la gestion de groupes hypertonie, où nous regroupons des patients pour les traiter en début de matinée, avant les prises en charge de neuro-rééducatives, afin de diminuer un petit peu leur spasticité. Donc en kinésithérapie, on l'utilise donc pour les deux utilisations possibles de cet appareil, pour l'hypertonie et également donc surtout en neuro-rééducation afin de stimuler un petit peu notamment la plasticité cérébrale chez les patients cérébro-lésés. Donc les séances, elles se font en général sur entre une demi-heure et trois quarts d'heure à chaque fois. Et elles se font soit couchées, soit en utilisant le siège, soit en position debout, soit même en marchant avec certains patients. Voilà, il y a une raison à une fréquence environ trois fois par semaine. C'est notre façon de faire, parfois cinq fois par semaine, mais c'est plus rare hein, pour des questions d'organisation. L'appareil est très sollicité dans l'établissement, donc il faut que chacun trouve sa place sur le planning, et donc souvent on se limite à trois fois par semaine. Voilà l'utilisation principale donc, de cet appareil chez nous, avec une impression très positive des utilisateurs, hein, finalement, tant sur les effets qu'on peut avoir sur l'hypertonie, que sur cette stimulation de la plasticité cérébrale.